Pour une première, il y a eu beaucoup de monde, ça m'a fait énormément plaisir. Franchement, c'était très sympa, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Franchement, c'était très agréable. On n'a pas forcément d'événements où on peut se rejoindre avec des jeunes de notre ville pour discuter de tout ce qu'on a fait tout au long de l'année. Donc ça nous fait du bien aussi d'être récompensés par la ville. Ça nous donne confiance. On est dans le 93, on n'a pas toujours confiance. Et pourtant, là, on est vraiment valorisés, on reçoit carrément un trophée, quoi. Quand je reçois des prix comme ça, ça me pousse à m'entraîner encore plus dur et être encore plus valorisé que ça. Que ce soit les jeunes, les personnes élues à la mairie, on a tous essayé de parler entre nous. Les jeunes entre eux de plusieurs associations ont essayé de se parler. Il y en a qui se sont retrouvés par rapport à leur lycée, etc. Et ouais, j'ai trouvé que c'était vachement en bonne ambiance. Moi, je trouve que c'est important d'être valorisé par la municipalité parce qu'on est un petit peu les adultes de demain et qu'on va devoir prendre leur place à un moment ou un autre plus tard. Donc c'est bien de nous sensibiliser des plus jeunes, nous donner l'importance des plus jeunes pour pouvoir s'engager pour notre ville. C'est aussi pour moi un moment privilégié de pouvoir échanger avec eux, avec ces jeunes qui font vivre notre ville, qui font battre le cœur de notre ville. Et c'est pour eux qu'on s'engage, c'est pour eux que l'on fait ce qu'on réalise aujourd'hui. Nos projets, c'est eux qui les verront et c'est eux qui pourront en profiter avec leurs enfants. J'ai retenu que Madame le maire faisait beaucoup d'installations pour nous les jeunes. Elle va construire un bowling, on va avoir un nouvel espace culturel avec 3 salles de cinéma, ça c'est vraiment cool. Puis récemment, il y a eu beaucoup de city qui ont été ouvertes. On va avoir vraiment plein d'installations. Pour 2024, je souhaite à tout le monde une bonne année déjà, pleine de santé, de réussite. Tout le meilleur pour vous, que vos projets soient réalisés. Voilà. Rien n'est impossible. Avec le travail dur, on peut y arriver. Malgré ce que les gens disent, on peut y arriver. C'est toujours une fierté d'être drancé, hein. Vive Drancy.